Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, la caméra à la main. Il s'agit donc d'un vlog. Je suis super contente parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu l'occasion de vous tourner une vidéo comme celle-ci. Pour une fois, je ne filme pas avec mon téléphone pour la simple et bonne raison qu'il est rempli à ras-bord et que je n'ai pas pris le temps de le vider. Je filme avec un Galaxy S8, il me semble, au lieu de mon iPhone, mais je pense que vous verrez pas la différence au niveau de la qualité de la vidéo. Je pars aujourd'hui au salon de Montreuil, donc je comptais y aller pour rappel demain, sauf que je n'aurai pas de train demain sur ma ligne habituelle, du coup j'ai posé un RTT et me voici donc sur le départ prête à partir. Alors si je parle un peu bizarrement, c'est parce que je suis encore pas mal malade, même si ça va quand même beaucoup mieux. Vous avez été nombreux à vous enquérir de ma santé, je suis passée par une phase pas très rigolote, mais là ça va quand même un petit peu mieux. Concernant mon programme de l'après-midi, bah écoutez, c'est la première fois que je fais Montreuil toute seule, c'est la troisième fois que je m'y rends et c'est également la première fois où je ferai tout au feeling, un petit peu à la one again, c'est-à-dire que les autres années je préparais vraiment ma venue de A à Z, j'avais mon petit badge avec le nom de mon blog et de ma chaîne, je savais exactement ce que j'allais m'acheter comme livre, je savais déjà les auteurs que j'avais envie de saluer et je savais déjà les livres que j'avais envie de faire dédicacer. Et cette année, vraiment rien de tout ça. Je sais même pas trop quels seront les auteurs présents. Je ne sais pas du tout ce que j'ai envie de m'acheter. Encore une fois, tout sera fait au feeling. Mais d'un certain côté, c'est assez agréable quand même de se laisser un petit peu porter par la vague. Et sur ce, c'est parti. Bon bah pour changer, je suis en retard. Et aujourd'hui, ok, j'ai des trains, mais j'ai un train sur deux. Donc autant vous dire que ça va être chaud patate jusqu'à la gare. Il fait froid. Bon, je vous raconte pas, pour moi le défi de ma journée c'est pas de pas trop dépenser d'argent, c'est plutôt de ne pas rechoper un truc encore pire que ce que j'ai déjà eu. Voilà, du coup je pense que je vais réussir à avoir mon train en temps et en heure, c'est parfait. S'il vous plaît, ne m'écrasez pas, merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, moi autant là je m'enquiquine un petit peu avec les transports ce matin, mais autant cet après-midi je serai tranquille puisque je rentre en moto.
Je retrouve une dernière fois en vidéo pour faire un petit débrief de mon salon et de la manière dont je l'ai vécu. Donc pour rappel, c'est la troisième fois que je me rends au salon de Montreuil, mais c'est la toute première fois où j'y vais vraiment seule sans les copines. Et très honnêtement, quand vous êtes entourée, ça fait une énorme différence parce que des trois salons de Montreuil que j'ai pu faire, c'est vraiment pas celui-ci qui a eu ma préférence. C'est également la première fois que j'y vais un vendredi et pas sur un week-end. Je m'attendais à ce qu'il y ait du coup moins de monde. Mais j'ai l'impression qu'il y en avait tout autant que le samedi, voire plus, parce qu'il y avait, mais je sais pas, mais plusieurs dizaines de troupeaux d'enfants. En fait, c'était vraiment les sorties scolaires. Et ça se chamaillait de partout, ça chahutait, ça se bousculait. C'était limite un petit peu oppressant à mon goût. Mais il n'empêche que j'ai quand même passé un bon moment. J'ai bien organisé mon temps. Je pense que j'ai dû rester 3 heures. La première heure, c'est l'heure pendant laquelle j'ai filmé. La seconde heure, ça a été celle pendant laquelle j'ai fait des repérages et j'ai fait des achats. Vous allez pouvoir d'ailleurs constater lorsque je vous filmerai mon book haul du mois de décembre que j'ai pas mal craqué cette année. Et la dernière heure, ça a été l'heure consacrée à l'interview avec Shannon Messenger. J'ai passé un moment extraordinaire avec elle sur le stand de la maison d'édition Lumen. Je remercie une fois de plus les attachés de presse de pouvoir me permettre comme ça plusieurs fois par an d'interviewer des grands noms de la littérature jeunesse et young adulte. C'est un réel plaisir pour moi de faire ça, surtout que Shannon Messenger est une auteure très accessible et vraiment super sympathique. Cette interview n'a pas été filmée tout simplement parce qu'il n'y avait tout simplement pas la place et la possibilité de faire une interview au calme dans un endroit où il y aurait un petit peu moins de bruit que le brouhaha ambiant. Mais je retranscrirai l'interview sur mon blog et l'article sera en ligne dès mardi. Pour une fois, j'y suis allée un petit peu incognito sur salon, c'est-à-dire que j'avais pas du tout le badge. J'ai très peu filmé comparé aux années précédentes et pourtant c'est assez drôle parce que même comme ça, il y a plusieurs de mes abonnés qui m'ont reconnue et interpellée. C'est toujours de chouettes moments pour moi. Je suis toujours un petit peu gênée de faire votre rencontre parce que tout simplement je m'y attends pas forcément.
Mais je suis tellement ravie de pouvoir faire votre connaissance et échanger quelques mots avec vous, pouvoir vous demander comment se passe votre salon, quels sont les livres que vous avez pu vous acheter, ce genre de choses. Voilà, c'est des petits moments de partage qui à chaque fois m'emplissent de joie. Donc si jamais vous vous reconnaissez, bah, je vous fais un petit coucou et en tout cas, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Sur ce, il est temps pour moi de terminer ce vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Tu peux faire la conclusion à ma place, s'il te plaît? Vas-y. Bon, cette année c'était moins bien parce que j'étais toute seule et il y avait plein de monde, alors que je m'attendais à ce qu'il y ait moins de monde. Ouais, et... Mais sinon, l'auteur est super sympa, j'étais très content de faire son interview, elle est vraiment accessible, vraiment adorable. Merci à ses maisons d'édition et à bientôt. Voilà. Bon bah, je sais pas pourquoi je me prends la tête, hein. Ben, on est d'accord, hein. Bah, écoute. Tout est dit.